Donnez-moi du texte. Moi? Oui, vous. Inventeur. Inche Kager. Alors, Averdu, réveillez-vous. 1 sur 20. Entrez. Bonjour, je suis Madame Martin. Oui, c'est pourquoi? Je suis votre inspectrice. Je peux venir vous inspecter. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Bien. Ben, nous allons parler du texte que nous avons fait la semaine dernière. Oui. Voilà, c'est celui-là. Bon, qui veut parler du texte? Moi, monsieur. Mais non, regardez, vous avez déjà parlé tout à l'heure. Voyons ce que nous a préparé Frédéric Lost. Allez-y, Frédéric. Wo in Königsberg geboren, in Hauptstadt, zu Ferien in Altenbahn Astelstelle. Und du wärst wieder Alten Bäcker Boren. Gut, Frédéric, gut, gut. Monsieur Boyer, n'ayez pas si peur, ne soyez pas anxieux comme cela, voyons. Je suis ni anxieux ni stressé, madame, voyons. Bon, moi je suis madame Rancagel, et je suis pas obligé de vous prendre en cours, alors, hein? Parce que je suis votre remplaçante et je fais déjà des heures supplémentaires et ça... qui c'est qui a marqué ça, là? Moi, je vais prendre des noms, là, hein? Moi, c'est un mot. Bon, et toi, là? Allez, va en permanence, va au cours de monsieur Chenibès. Moi, j'ai rien fait, moi, madame. Pourquoi serait moi, d'abord? C'est pas lui, c'est moi, madame. Fou. Alors maintenant, on dit, allez, au cirque, je ne saurais me rappeler avec exactitude. Avec quoi? Avec exactitude. Les faits. Je me souviens follement qu'il a le chiffon gris dans une immense table. Et moi, c'est comme vous, madame. Alors, c'est quoi ton nom là? Allons, réveillez-vous. Non mais dites donc, vous vous croyez où hier? Vous ne croyez qu'on ne vous entend pas? En cours d'histoire géographie avec monsieur André. Non mais c'est impensable ça. Bien. Eh bien, puisque vous faites tant de bruit, en tant que professeur principal, je suis chargée de vous punir. Bien. Donc, pour demain, conjugaison. Conjuguez tous les verbes de la première déclinaison à tous les temps de l'indicatif. Bien. Non mais, dites donc, jeune Stravato, espèce de petit morveux. Non mais... Fille au fond de la classe, tu es vraiment, ne voudrais-tu pas une paire de claques magistrales? Entrez, asseyez-vous. Bien, révisons l'addition. 6 plus 1. Oh, mais vous êtes les troisièmes. Ah oui. Ah. Ah, ça marche pas, bordel. Balance-suis. Mais... Putain, t'es nul. Ça marche pas. Regarde ça, regarde. Vase. Crapaud. Regarde, tu vas voir, je vais l'avoir, regarde. En plein dans le mille, regarde. Merde.
prochaine fois, je te pointe. Mais qui a fait ce bruit? C'est moi. Nicolas? Non, c'est pas moi, madame. Moi, je te pointe. Bien. Y a-t-il des questions, fin de cours? Oui. Quand est-ce qu'on commence pour un troisième? On y est depuis longtemps. Bon, sors-toi littéralement, toi. Mais on n'a pas allemand le matin. Eh ben justement, faut faire l'allemand pour demain. Ouais. Crapaud. Bonjour. Installez-vous. Bonjour. 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 Installez-vous. Bonjour. Oui. Donc, vous prenez votre cahier de texte. Bonjour. Donc, vous prenez votre cahier de texte. Alors, vendredi 31. Alors, petit A, apprendre les verbes volo, nolo et malo. Les pronoms adjectifs alius et alter et le pronom isaïque. Petit B. Petit B. Oui, étant entendu, Isabelle, que je ne veux pas t'entendre latin, car il est entendu que, comme tu ne travailles pas en latin, je veux que tu sois impeccable. Je suis furieuse. Petit B, donc. Revoir tous les vocabulaires jusqu'à la page 30 comprise. Et petit C, traduire les trois premières phrases de la version Alexandre victime d'une hydrocution. Oui, Mathieu, le latin est une discipline austère. On ne peut pas rire en latin. Maintenant, nous allons faire une version. Bien. Alors, vous prenez votre livre, page 32. Voilà. Donc, pour la première phrase, qui va venir au tableau? Bien. Gaël Thomas, viens au tableau traduire la première phrase. Moi? Oui, toi. Alors, tu écoutes la phrase que je te lis. Première phrase, donc. Tukukwe mi fi. Alors, j'écoute. Allons, on se dépêche. Je sais pas ce que ça veut dire, moi. Voyons, c'est une phrase un peu plus célèbre et importante. Tu ne vas pas dire que tu ne sais pas ça. C'est encore Laurence Ravato qui t'a dit de ne rien dire pour faire comme lui, pour être aussi mauvais que lui en latin. Alors, j'écoute. Que tu sais ce que ça veut dire. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Je le sais, hein. Bon, alors, ça veut dire toi aussi, mon fils. Alors, tu écris au tableau et tu te dépêches, s'il te plaît. Et un peu plus gros, s'il te plaît, tu vois, hein, comme c'est écrit, là. Mais j'ai plus de place. Mais. Ah ouais, ici, là. Voilà, c'est intelligent, ça. Puis d'abord, puisque c'est ça, nous allons faire une interrogation de vocabulaire. Donc, vous prenez une feuille. Alors, je vous dicte le vocabulaire. Alors, 1, la bouche, le visage. Nominatif, génitif. Accusatif, pluriel. Nominatif, génitif. Accusatif, pluriel. Tenir compte de temps primitif et tiendront compte de au subjonctif plus que parfait ensuite. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Oui, voilà pour le vocabulaire. Oui, étant entendu que meuf,
centrien. Qui avait la moyenne, sauf elle. Alors là, je ne veux pas entendre parler d'une histoire de pompe. Parce que moi, les pompes, je les vois. J'ai des lunettes. Dis donc, Gaël. C'est une pompe, je rêve. C'est une pompe. Mais non, c'est malsain, ça. Regardez, elle. C'est la leçon. Ah oui. Tiens. Je ramasse sa feuille car j'ai vu que tu n'as pas travaillé. Voilà, Frédéric et Erwan. Bien. Alors maintenant, comme il nous reste quelques minutes, nous allons prendre le vocabulaire ensemble. Donc je vais vous l'expliquer. Alors, aliénus, aliéna, aliénum. D'autrui, d'étranger. Oui, là, tout le monde voit l'équivalent en français. Car un aliéné est quelqu'un qui est étranger à la société, vu que c'est un fou. Bien. Ensuite, aquae. Oh, bien là, ça n'a pas donné d'équivalent, donc il faut apprendre par cœur, en fait. Ensuite, kedo, kedis, kedere, kesi, kesum. Manger. Tout le monde connaît l'équivalent en français qui a donné quelqu'un de quédentaire, quelqu'un qui a faim. Bien. Voilà. C'est fini pour le vocabulaire. Oh non, et oh, Diego, va t'asseoir, là, hey. C'est une musique, ça. Oh, allez, hey, va t'asseoir, allez. Hey. Fin, bêta. Oh putain, j'ai réussi là, tu vas pas me casquer, oh. Putain, chier. Bon, vous notez sur votre cahier. Oh, graine 2, les ostrobos. Il n'y a pas de grand temps, monsieur. Je l'ai déjà dit trois fois. Graine 1, les visigots. Graine 2, les ostrobos. Bien. Alors, vous notez. Louis Soleil est... Louis Soleil, ah, quel crétin, lui. Oh, dis, c'est pareil, hein, oh. E-E-S-T. Mais ce sont... Un grand... Ornithorynx. Hein? Comment ça s'écrit? Un grand ornithorynx, un UN. Non, je te demande pas ça, je te demande ornithorynx, machin. Oh, mais c'est facile, hein? Putain, ce qu'on fait, c'est dans ce cours. Un UN. Oh non, oui, oh, meuf! Oh, mais. Oh, dis! Non, mais. Putain, t'es bien, c'est bien. Mais, si. Alors là, je le promets, je vais m'éclorer les heures de retenue. Là, je te gonne à zéro. Tu l'as vu, celui-là? Refais pour voir! Elle est partie maintenant! Elle est pas en permanence! Oh, et moi je vais essayer d'accompagner! Oh! Allez, c'est inadmissible, Sarah! Oh! Chier! Alors, vous soulignez au fluor! Au fluor! Oui, bon, je vais me tromper, hein! Oh! Bon, je le promets, je les mettrai les heures de retenue, hein! Bon, alors, où en étais-je? Ah, c'est con! Ah! Il y a qui crée! Putain, mais franchement! Alors, je prends mes affaires et je te fais plus chier. Oh non, ouais, allez, on va, putain, fous la fin, putain, c'est bon ça. Je mets un 20 sur 20 à celui qui me dit qui sont les paysans du Nouveau Monde. Moi. Oh, oh non, oh, deux causes. Non, mais c'est inadmissible ça. Alors là, je suis dans dégueulasse, j'ai même pas le temps de répondre. Oh, je mets un 0 sur 20. Je prends ton nom là et c'est inadmissible. Oh, 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 non, mais, oh, non, mais tu me prends pour qui, là, dis, c'est un effraissement, je vais te les mettre, tes heures de retenue, moi, hein, non, mais c'est inadmissible, ça, hein, bon, non, mais, oh, braque-moi, c'est inadmissible. Qu'as-tu fait de mon résumé, c'est ça? Oh, non, mais, tu me copies à 5 fois le résumé pour demain, hein, oh, non, mais c'est inadmissible. Voilà. Bon, ce sera 10 fois pour demain. Or, je vais faire l'appel, hein, parce que... Bon.
Alors, Hansen 6, Free Time Burger, Virginie. Hansen Berger, monsieur. Oui, mais c'est ce que j'ai dit là. Oh, oh, dis. Bon, ensuite. Berger Severin. Alors maintenant, vous prenez votre cahier de texte et vous copiez pour le lundi 19 ceci. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il y a à copier, ma? Non, du tout, je ne suis pas un moulin à répétition. Bien, maintenant, pendant que vous êtes en train de copier ceci, sortez votre cahier de biologie et je passe ramasser la feuille que je vous ai prêtée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié mon cahier de biologie. Extra, alors là, tu vois, extra. Ça contribue parfaitement à ton double zéro. Et on dit merci quand on est poli. Merci. Alors maintenant, vous prenez votre cahier de biologie sur une page où il n'y a rien à droite ni à gauche, au milieu du milieu, niveau équateur, sur les deux pages, en rouge, en grand titre, le cœur rappelle cours quatrième. Mais madame, on l'a pas étudié. Non, du tout. Vous devez l'avoir étudié avec votre professeur de quatrième. Bien. Voici maintenant un mot barbare que, rassurez-vous, vous n'aurez pas à étudier. Arachnoencéphalogramme. Ce mot signifie la venue des porcs marins sur la Terre lors de l'ère primaire. Donc le mot arachnoencéphalogramme est un mot que vous ne pouvez en aucun cas trouver en interrogation. Bien. Alors maintenant, vous prenez une feuille double d'interrogation. En effet, j'ai appris que vous alliez faire un voyage de fin d'année en Allemagne. Alors là, je suis catastrophé parce que pendant 15 jours, vous n'allez pas avoir d'interrogation. Donc là, il faut absolument rattraper le temps perdu. Hein. Alors, donc, vous mettez interrogation numéro 12. Alors, première question. Un fermier a un chat de 5 kg. Combien a-t-il de chromosomes exprimés en puissance de 10? Parce que sinon, ça ferait beaucoup de zéros. Alors, maintenant, deuxième question. Quel est le nom qui permet de désigner un porc marin qui, à l'ère primaire, est arrivé sur Terre? Vous voyez ce que je veux dire? Bien, alors, interro maintenant. Bonnet, tu marques sa feuille, je rumine. Tu auras moins 2 sur ton interrogation. Alors maintenant, stylo rouge pointe en l'air. Donc, nous corrigeons la deuxième question. Qui pourrait me répondre à la question? Toi, Dubois, vas-y. Articule, s'il te plaît. Non, c'était arachnoencéphalogramme. Alors là, ceux qui ont faux... Ah non, ah, que vois-je? Laurier, viens ici, là. Amène-moi ce sinon, là. Alors là, ah. Mais c'est un stylo bleu, ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire Je triche. Extra. Alors là, c'est un zéro pointé. Non seulement tu as zéro, donc, à cette interrogation, mais en plus, tu me copieras pour la prochaine fois 10 fois le cours sur le cœur. Et alors maintenant, vous sortez, je ferme. Tu te dépêches, Bonnet.
Allez, vous sortez, je ferme. Vous sortez. Va t'asseoir. Bon, un UN.